Bonjour, alors je sais que j'avais dit que j'arrêtais avec les vidéos Warhammer 40 000, mais il se trouve que la personne qui m'avait demandé de lui faire des figurines, en tout cas de lui faire la peinture, m'a fait la surprise de m'amener ses numéro 18 et 19. Alors pour le 19, je suis ravi parce que je ne savais pas que ça allait être en vente. C'est des figurines que je connais pas, donc ça ne se répète pas. Pour le 18, par contre, je n'avais pas l'intention de le prendre. Comme je vous l'avais dit, outre le fait que ça se répétait avec les espèces de containers, le numéro 18, tout comme d'ailleurs, si je me rappelle bien, le numéro 14, contient deux pots de peinture. Voilà. Et pour moi, c'est beaucoup trop cher. Je veux dire, ça vaut pas le coup par rapport au prix de unitaire déjà des pots de peinture en boutique Games Workshop. Mais en plus de ça, bon, à l'intérieur, certes, il y a apparemment dans le fascicule un truc un peu plus lourd qui doit certainement correspondre à un tapis de jeu ou je ne sais quoi. Mais ça m'intéresse pas. Donc voilà. Donc merci. de cette surprise, mais bah, du coup je vous en fais profiter, hein. Voilà, on va voir ce que ça donne immédiatement, donc pour ces numéros 18 et 19 de Warhammer 40 000 Conquest. Alors déjà pour le numéro 18, je confirme que donc c'était un peu plus lourd, pas parce qu'il y avait deux pots de peinture, mais parce que donc il y a un tapis de jeu, voilà, que je n'utiliserai pas. On verra ce que j'en fais. Par contre, je constate la même chose qu'avec un poster d'Iron Man que je vous ai présenté dans la vidéo du même nom, c'est que visiblement ça a été plié avant que ce soit totalement sec ou quoi. En tout cas, l'impression est abîmée. C'est assez conséquent comme tapis de jeu, hein. Ça tient pas sur ma table. Enfin, ça tient sur ma table, pardon. Je pensais que en fait c'était en fait c'est recto verso, mais je pensais que ça s'ouvrait. Et visiblement non, mais c'est assez assez épais comme papier. Peut-être pour ça aussi que l'impression est abîmée. Et donc vous voyez qu'en fait il s'agit donc de tapis de jeu avec des impressions d'éléments mécaniques, de décor. J'imagine que ça se met les uns après les autres pour faire les campagnes qui sont précisées dans les fascicules. Et là je vois qu'il y a même en fait des éléments de décor. Ici, il y a même un cratère, mais tout ça est dessiné. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est pas que je trouve pas ça intéressant, c'est que je n'en aurais, encore une fois, aucune utilité. Par contre, les pots de peinture, je les trouve assez étranges, parce que, en fait, autant le Mephiston Red, je connais, et ça va, il y a la consistance qui va bien, mais alors. Celui-là, c'est le Rakarth Flesh, et je trouve que c'est quand même vachement liquide. Là, je viens de le remuer, mais en fait, il y avait comme s'il y avait en fait tous les pigments dans une grosse bouboule, quoi, et le reste c'était du liquide. Donc, ça veut pas dire que la peinture n'est pas bonne, simplement que en fait, c'est franchement la première fois que j'ai à remuer un pot de citadelle. Ça fait très 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 bizarre. Enfin voilà, donc vous avez un pot de Mephiston Red et de Rakarth Flesh. En tout cas, ça correspond, bah, à du rouge, et pour le reste donc une espèce de couleur ivoire. Voilà, donc bah, on a fait le tour de ce que contenait ce numéro 18. On va voir ce que donne son fascicule. Alors, l'histoire des Silver Templars, de nouveaux pots de peinture, nouveau tapis de jeu inclus. Le truc, c'est qu'en fait, quand c'est sous plastique, on voit pas nécessairement ce qui est écrit là. Voilà, donc là c'est parfaitement visible, mais quand vous avez comment dirais-je, le plus produit qui est avec le fascicule, ça ne se voit pas. Donc, il est précisé ici que le Rakarth Flesh est un blanc cassé que vous utiliserez pour apprêter les zones qui finiront blanches ou pour éclaircir les couleurs chair. Le Mephiston Red se chargera quant à lui des détails rouges, sans blague. Bon, Silver Templar. Non, je ne sais pas si c'est en lien avec ce qui est dans la collection. Organisation du chapitre des Silver Templars. Bolters, donc ça c'est les armes. Les armes à bolt.
Hellblaster. Bon, si ça existe en figurine, ça a l'air sympa. Le sauvetage de Lycéus. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette illustration. Donc, guide de peinture, des petits détails. Alors, bon. Là, ça concerne donc le Rackard's Flesh, le Mephiston Red et le Mechanicus Standard Grey. Voilà, donc pour peindre le rouge, pour peindre en Rackard's Flesh, j'imagine, sur des Death Guard, l'Aggressor. Bon. Rien de neuf sous le soleil, sincèrement. Et après, c'est les trucs sur le jeu, donc Corvon 2, à partir du numéro 21, vos batailles gagnent en envergure. Donc avec le tapis de jeu, j'imagine qu'ils vont indiquer donc le nouveau terrain, les nouvelles missions, votre nouveau théâtre d'opération géant. Pour toujours plus de figurines et de batailles. Donc voilà. Ok. Et donc numéro 19, c'est ce que je vais vous présenter dans quelques secondes, avec Lord Felsius et la cohorte souillée. Les figurines ont l'air fort sympathiques, ma foi. Et ensuite, le numéro 20, bah, là, pareil, on l'a déjà vu hein, depuis le numéro 13 de mémoire. Il s'agit encore une fois de ces fameux containers, avec le conteneur blindé du Munitorum. Donc, on va passer au numéro 19. Alors, avec ce numéro 19, on revient donc quelque chose d'un petit peu plus concret au niveau des figurines. Alors bon, c'est quand même superbe. Voilà, je sais que je me répète à ce niveau-là, mais il y a un niveau de détail pour chacune de ces pièces qui est quand même assez fou. Et là, on n'a pas une, mais quatre grosses figurines. C'est quand même franchement sympa. Et encore une fois, j'ai beau ne pas jouer, je ne peux qu'apprécier la qualité des figurines avec lesquelles certaines personnes donc jouent sur les fameux terrains de jeu, là, comme on a vu dans le numéro 18. Voilà. Et pour, franchement, du plastique injecté, c'est là qu'on voit quand même qu'il y a eu un sacré pas en avant depuis une dizaine d'années, on va dire, peut-être même 20. C'était déjà très sympa avec les figurines qui étaient faites pour les collections Seigneur des Anneaux, mais c'est sans commune mesure avec ce que je constate là, hein. Vraiment. Ce qui est rigolo, c'est que donc là vous avez quand même, on va dire, quelque chose d'assez dégoûtant qui perle ici sur l'épée. Je pensais que c'était juste des effets qui n'avaient rien à voir avec les figurines. En fait, si, c'est carrément inclus avec les figurines. Et j'essaye de... Voilà. Là, il y en a aussi ici, je pense. Et ça, c'est quelque chose qui sera assez sympa à faire avec ce que je vous ai montré la dernière fois. Avec une espèce de résine UV fluo récente verte que j'ai acheté chez Green Stuff World. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description. Et je pense que ça sera quand même mieux que de peindre sur des pièces opaques. Et ça devrait avoir son petit effet, parce que non seulement ça donnera quelque chose de vert, franchement ragoûtant, quoi, genre directement pris d'une centrale nucléaire. Et franchement, je pense que ça devrait être assez sympa à faire, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Donc tout cela est accompagné de quatre petits socles avec des petits trous cette fois-ci, pour que ça puisse tenir plus facilement. Et c'est des gros socles, hein, c'est pas des petites figurines. Hein. Donc franchement, déjà au niveau des figurines, là je trouve ça assez sympa. Donc on va voir ce que donne ce fameux Lord Felsius. Ce numéro 19, il est franchement aux couleurs justement de ces... je sais pas, Horde du Chaos, je ne sais quoi. Souvent on les voit avec des armures vertes, souillées, machin, tout ça, avec des pustules de partout. Là c'est vert. Franchement, j'aime beaucoup cette présentation de couverture. En plus, les figurines sont absolument superbes, ceux qui ont travaillé dessus, vraiment, voilà, c'est des artistes, hein, très clairement.
Donc déjà, ça fait partie des choses aussi qui sont un petit peu des pouces à l'achat. Maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous l'avez vu de toute façon à l'introduction de la vidéo, on ne la voit pas cette photo, on ne la voit pas cette couverture, puisque en fait vous avez la planche, pardon, la grappe des figurines devant. Donc du coup, ça aurait été mieux quand même de la mettre derrière, quoi, parce que d'ailleurs on va en profiter, ça m'évitera d'en reparler. Mais vous voyez, donc numéro 20, c'est encore une fois le container, ça on l'a vu tout à l'heure, et numéro 21, voilà, on se retrouve avec des reverse. Il me semble que c'était pour le numéro 3 ou 4 qu'on avait déjà vu ça, donc c'est du déjà vu. Donc Lord of Contagion, les Lords of Contagion, pourquoi ils n'ont pas traduit ça en français? C'est très étrange. Bon. Champion qui mène les forces de la Death Guard sur le champ de bataille. Tu m'étonnes. Franchement, que ce soit les figurines ou les illustrations, c'est quand même vraiment sympa. Je comprends tout à fait que ça puisse plaire à autant de personnes. Franchement, voilà. Et là, par exemple, on voit bien sur cette illustration que certaines choses que j'ai pris juste pour des détails, des armures ou quoi, c'est très clairement aussi de la fumée ou quoi. Moi, je pense que ça peut être amélioré avec un petit peu de coton ou de trucs de rembourrage d'oreiller, vous savez, comme j'ai pris pour mon diorama du Faucon Millennium qui arrive sur Starkiller. C'est plus petit, mais c'est tout à fait envisageable. Lord Celsius, alors par contre, l'illustration, elle est superbe, c'est juste le personnage qui est absolument ignoble. Voilà. Et là, on les voit en pleine action. Tout doit mourir et pourrir, je ne fais qu'accélérer le processus. Terminator, Blight Lords, les Death Guard. Eh ben, c'est pas la joie, en fait, c'est des zombies, hein, ni plus ni moins. Lord Celsius, c'est la corde souillée, donc la fameuse grappe avec trois éléments, on voit très clairement, hein, donc je pense que c'était vendu dans des petites boîtes. Donc, enlever les pièces, bon, ça me semble évident. Maintenant, placer les différents éléments, c'est pas si évident que ça. Et là, je les vois monter ça directement. C'est vrai que je vous en ai jamais parlé, mais pour moi, hein, franchement, justement, peindre sur la grappe et peindre les pièces avant de les monter comme ça, c'est quand même aussi un grand avantage. C'est qu'on a accès à des parties ici de la figurine auxquelles on n'a pas accès une fois que c'est monté, quoi. Donc, à moins d'utiliser un aérographe ou une bombe, avec un pinceau, c'est pas toujours évident, surtout de peindre des détails, par exemple, là, de la cape. Donc, la cape, au moins, vous voyez ici, là, je peux la peindre de la couleur qu'il faut avant, et je m'embête moins qu'après. Enfin, ça me semble évident. Maintenant, ça ne veut pas dire que je peins précisément toutes les pièces. Je peux faire un petit brossage à sec, des jus, des lavis, ce que vous voulez, mais c'est pas la peinture définitive. Donc en fait, je prépare la figurine avant de la terminer, surtout une fois montée, puisque là, elles ont l'avantage de ne pas être articulées, ce qui est une très bonne chose. Donc ça, c'est Lord Celsius et sa cohorte souillée. Donc apparemment, c'est le Terminator. Terminator Blight Lord 1, 2 et j'imagine que 3. Voilà. Et donc, le guide de peinture. Bah, apparemment, tout y passe. Hein. Abaddon Black, Retributor Armor, Non Oil, Led Belcher, Aggressive Shade, Bugsman's Glow, Rakarth Flesh et Mephiston Red. Voilà, bon, c'est un peu plus sympa que d'habitude, mais c'est pas encore ça. Franchement, moi, je m'y prendrais pas comme ça. On dirait, je sais pas, un jouet pirate chinois de je ne sais quoi. Là, par exemple, là, vous voyez, ça, là, c'est pas terrible. Là, bon. Mais, bon, c'est un début. Donc, ce qui est bien, par contre, je crois pas qu'il l'ait déjà fait, ça. Faudrait que je vérifie, mais là, c'est une photo devant et une photo derrière. Bon, moi j'en ai pas peint comme ça, mais bon. Donc frappe par téléportation, déploiement spécial, ça c'est pour ceux qui jouent, c'est pas mon cas. Intervenir en cours du jeu, et ça insiste encore sur, à partir du numéro 21, vos batailles gagnent en envergure avec Corvon 2. Voilà. Et ben écoutez, on a fait le tour de ces numéros 18 et 19. Je fais cette vidéo un peu à la va-vite, parce qu'en fait j'ai eu ça donc ce mercredi.
Et je me suis dit que si j'en parle pas maintenant, de toute façon, vu que je suis en déplacement et tout pour Game Show ce week-end, j'aurais eu du mal à vous en parler avant la semaine prochaine. Vous auriez peut-être raté les numéros en question. Ça vous intéresse peut-être. Donc voilà, désolé de m'y prendre à la dernière minute et de faire ça un peu sur le pouce. Mais voilà, au moins vous êtes au courant et vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en tout cas, le numéro 19 est très intéressant pour ceux qui aiment les belles figurines et pour ceux qui jouent à Warhammer 40 000, qui veulent un tapis de jeu ou quoi, en plus des peintures, bon, le numéro 18 pourrait peut-être les intéresser. En tout cas, c'est dispo en kiosque, maintenant vous êtes au courant. Puisqu'on en est là, j'en profite donc pour rappeler que ce week-end, je serai avec l'ami Jérémy, coucou Jérémy, à Game Show, à Saint-Germain-des-Fossés, à côté de Vichy. Donc c'est ce week-end, et ce week-end uniquement, je serai là-bas à exposer de belles maquettes, des kits bash, des scratch. Jérémy, certainement, là aussi, des décors, des figurines et tout ça, puisqu'on sera à côté de nos amis, des amis de ma déesse. Et ils font des trucs très sympas autour des jouets, des figurines et tout. Donc voilà, je vous ferai une vidéo de toute façon, bien évidemment, de ce que je verrai sur place, comptez sur moi. Mais si vous voulez venir nous voir, ça serait quand même vachement sympa de venir. En plus de ça, samedi et dimanche, je fais des conférences. Une première sur le Faucon Millenium, son évolution dans Star Wars des débuts à la fin, là. également, donc le dimanche, sur l'Enterprise et l'évolution de l'Enterprise depuis 1966 jusqu'à nos jours, puisque le vaisseau, même sur une même timeline, a beaucoup évolué. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur tout ça, et j'espère que vous viendrez nombreux assister à mes conférences. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a intéressé avec la présentation des numéros 18 et 19 de Warhammer 40 000 Conquest. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur PayPal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc, bah peut-être un de ces quatre avec des vidéos Warhammer 40 000 Conquest. Normalement, je pensais vous présenter des figurines montées et peintes et des dioramas, mais visiblement, donc voilà, il est possible que vous me revoyez avec des numéros à venir disponibles en kiosque.